Donc, on s'était laissé juste là après avoir chopé le couteau. Normalement, ouais, j'ai encore tout ça. On va monter directement par là-bas. Je crois qu'on peut choper des sprays, etc. Après, je fais des coupures si jamais pour les énigmes, mais si on a des allers-retours à faire, parce que je pense qu'on en aura pas mal, surtout au niveau des clés. Hop, une plante. Donc les plantes, comme dans tous les Resident Evil, on peut les combiner pour faire des plantes plus puissantes pour s'en donner plus de vie. Ou après, je sais pas si on peut améliorer la santé dans celui-là. On verra bien. Toujours aussi gore. Faut qu'il arrête de parler tout seul, par contre. Non, on n'avait pas la clé pour le moment. Donc oui, j'avais déjà lancé une partie pour tester un peu comment ça se passait. Donc je sais à peu près où se trouvent les items au début. Donc les fenêtres comme ça, on pourra les réparer. Pour l'instant, j'ai pas de planche. Non, on va pas la tuer elle parce que c'est des munitions gâchées pour rien. Là, y a rien à choper. Putain, il est handicapé. Donc je crois qu'il y a un mode aussi comme les anciens, les modes mercenaries là où faut se grouiller à finir le niveau. Faut survivre, etc. Le plan, ok. Là il y a des trucs à choper. Y a quoi à choper ici? Merde! Oh putain! On peut pas la faire tomber là? Non, c'est bon. J'ai oublié un truc. Ah oui, il y avait des balles. Putain, mais elle nous fait chier, elle. Bon, l'IA, elle a l'air d'être à la ramasse, hein, parce que bon. On n'a pas encore eu de bug là, c'est dommage. Quoi? Par là-bas, je crois qu'il n'y a rien. Putain! Bon, ça je comprends pas par contre, j'ai un petit flingue et une fois sur 20 ça leur explose la tête, donc je sais pas si on peut améliorer les armes, etc. Mais... là il y a une porte, on peut pas y aller. Par là il y a que dalle. Je crois qu'ici on peut choper le pompe. Non, c'est pas là. Je crois que là il y a rien en fait. Non, on ira plus tard. Je crois que c'est... Ah, c'est là, on peut choper le pompe. Donc là on peut ouvrir tout
Il y a un couteau. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Des munes. Le pompe. Oh, faut une carte. Merde, je l'ai pas. Des bastos. C'est quoi ça? Une sacoche. Putain, il nous fait chier lui. On va contourner. Hop. Donc 102. 102. Merde, y'a... Non, y a pas de 2 là. 103. Y a pas de 3. 106. Ok. Par contre, c'est au niveau de la place. Faut que j'évite de prendre trop de trucs. Pellicule. Oh, mais j'ai pas d'appareil photo. Ah, là, il y a des mines. Oh, putain. Au niveau munitions, là, on est plus que bien, hein, franchement, parce que depuis le début, il nous en donne trop, j'ai l'impression, c'est bizarre. Bon, lui, on va le laisser là. Aïe, aïe. Oh, putain. Cette balle pour le but. Et... c'est quoi ça? Ah ouais! Je crois que j'avais trouvé des touches, je sais plus. Ah ok, c'est pour ça. Ouais, faudra trouver les touches pour ouvrir les casiers. On vient de là, donc là, il n'y a rien à faire. La carte. Ok, on va aller là. Donc là il y a une save room. Ah là il y a une... Il y a des planches. Il y a de l'herbe. Parce qu'on est des gros drogués, du coup on aime ça. Est-ce qu'on peut se les combiner? Ah ouais, c'est carrément de l'herbe quoi. Ils ont pas caché le bordel. Par contre, est-ce que c'est utile que je fasse ça dès le début? Est-ce qu'on sauvegarde maintenant? Bon, lui, je vais foutre ça. Voilà. Parce que je crois que l'appareil photo, il est dedans. Encore, je sais même pas si on peut le prendre. Encore des balles, putain. La poudre noire, je crois que c'est pour faire des mines. Oh, là, il nous explique les plantes, comment faire des soins, etc. Là, il y a l'appareil photo, mais on peut pas le prendre, je comprends pas. Les pellicules... Okay. Ah, mais attends, peut-être qu'on peut utiliser... Ah ouais, là, ça fait chier, j'ai plus de place. Mais est-ce que là, du coup, je peux utiliser les pellicules? Ah! Ouais. Mais attends, je peux pas le reprendre. Ah ok. On peut pas le voir en 3D Bon, ça, je crois que c'est pour plus tard, de toute façon. Ok. On va sauvegarder.
Ok. Bon, lui, on va le laisser tranquille. Il est vivant, lui, ou il est mort? Oh putain, je suis un handicapé. Putain, la visée qui met 20 ans à bien se mettre. Mais je comprends pas pourquoi il faut 6 balles pour tuer un putain de zombie, quoi. Oh, ça, on va le laisser là pour l'instant, ça sert à rien. Il se relève vite en plus. Est-ce qu'il peut rentrer là par contre? Oh non, ouais, ça c'est relou. Ça on va mettre 20 ans à le décrypter. Je crois que c'était quoi? Ça, merde, merde. Ça. Oh putain. Ah, voilà. Une pièce, ok. Donc on a trouvé la pièce de pour le pompe. Ah non non, c'est quoi ça? Allumer toutes les lampes. Ok, bon, on vient de le faire. Là, il y a rien. Oh, mais ça me sert à rien. J'ai pas le pompe. Oh putain. Il est mort. La valve, je l'ai pas. Ok, bon, on peut se barrer. Il est où lui? Il est retourné en haut. Ah non, il est là. Mais la visée, c'est vrai que c'est galère, hein. Franchement, le temps que ça se mette bien, s'il y a des clips et tout, je sais pas comment on va faire. À part avec le pompe. Je sais pas comment on l'aura. On peut pas les péter les verrous là? Non? Ah ok. On a la clé à pic. J'ai plus de place dans l'inventaire, super. Ça, je vais l'enlever. Quoi? Ah, c'est qu'il le jette vraiment, on peut pas le... Oh, c'est de la merde, ça. Je sais pas non plus, j'ai pas vu. Les liqueurs. Ouais. Oh, j'espère qu'on les aura pas dès le début parce que... Ouais. Mais je sais pas comment on fait sur PC pour avancer en marchant, mais plus doucement que ça là. Il n'y a pas une touche? Parce qu'il marche fort quand même.
Encore de la poudre, oh, ça on s'en fout. Ça, mais j'ai plus de place. Putain. Je crois qu'il y a aussi des médaillons à péter comme. Oh putain, il me fait peur lui. Comme dans tous les RE. Après, je sais pas si on peut gagner des tenues ou des trucs comme ça. Ah, je crois que c'est là. Voilà, il y a. Il y a la sacoche pour avoir plus de place. Voilà. Et justement, on pourra récupérer l'autre en bas tout à l'heure. Faut trouver du C4. Ah non, ah il faut allumer. Mais si on tire dessus, ça va pas péter. Ok. Ok. Bon, bah, là, il n'y a rien ici. On a tout pris. Il n'y a que ça à prendre, quoi. Bon, je vais le laisser de côté parce que ça sert à rien et ça va faire de la place. Bon, par contre ça je trouve ça con parce que ça nous le met sur la carte, du coup on sait très bien où ce qu'on a oublié, on n'a pas besoin de chercher, ça enlève un peu de d'immersion quoi. C'est pas comme dans les anciens dans l'original. Ouais. Donc je m'étais arrêté là, après je sais pas du tout. Donc là je sais où je vais hein, mais bon après j'irai beaucoup plus doucement. Il veut nous montrer un truc. Donc là, je crois qu'on se casse la gueule. On va, si on va par là, du coup, on va descendre doucement. Il a l'air énervé, lui. Mais tu peux pas viser par-dessus, là? Oh là là. Oh là là là. Je peux pas lui exploser la tête comme le premier de... Putain. Quoi? Ok, on va passer par là. Ah ouais, ok, donc là il y a un truc. Mon plan. C'est où? Je crois que c'est ça. Donc là c'est quoi? C'est une licorne. La licorne. C'est quoi? C'est un poisson, un scorpion et un vase. Poisson. Hop. Donc, le poisson, scorpion et le vase. Ah mais il faut encore... Non c'est bon, j'ai la place. Ouf. Du commissariat. Là-bas on n'y a pas été. Pourquoi c'est rouge de partout là? C'est que j'ai oublié des trucs dans toutes les pièces ou c'est quoi là? C'est Keblo. Il est revenu à la vie lui ou non? Ouais mais les couteaux ils me servent à rien. Bon toi t'es pas mort c'est évident. On va le laisser là lui. On va le laisser manger. C'est quoi ça? Ah mais en fait il bouffe à côté de nous, il s'en bat les couilles. Ok. Mais il s'en fout vraiment?
Ça doit être un bug à mon avis. Non mais c'est obligé que ce soit un bug. Oh merde, il est pas mort le con. Oula. Bon, si vous rêvez de voir un film de cul avec des zombies, hein, c'est maintenant. Mais il lui faut combien de balles pour le buter, lui, bordel? Ah. Ça sert à quoi ça? Ah, ok. Bon, lui, il va se réveiller d'un coup, je suis sûr. Voilà. Oh putain. Oh la visée. Oh là là. Il est bugué. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais ils sont pas nets les zombies là-dedans. Ok. Y a rien là. Mais ça sert à quoi du coup de mettre ça là? On peut sauter directement là. Ah mais putain. Oui. Moi je crois qu'on a tout chopé. Normalement. Là il y a un truc à faire, mais sinon on a tout pris. Ah non, il y a un truc là. Ah ouais, le. Mais putain, j'ai plus de place encore, c'est un truc de ouf. On peut combiner les couteaux. Mais je crois que là on retourne directement. Ouais, voilà, on retourne là. Ok. Donc là on va mettre. Non, c'est pas là, putain, c'est en dessous. Faudrait peut-être le tuer lui, hein, parce que il m'inspire pas confiance. Hop. Mais du coup là, on n'a même pas fait 1 heure et on a déjà trouvé deux trucs sur trois. Bon, du coup là qu'on est là, je vais vider mon inventaire. Donc le couteau, je le fous là-dedans. L'herbe rouge, je la fous là-dedans. Je vais garder ça. Quoique le mélange, je vais le foutre aussi parce que bon, on a le temps de trouver de l'herbe en route. Hop, je vais sauvegarder.
On va retourner vite fait à la bibliothèque pour prendre le livre. Et je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, après, on a encore plein de trucs à faire avec la première clé. Je sais pas si les zombies reviennent par contre. Donc on avait oublié ça. Je vais aller chercher. Hop. Ça. Donc là on a tout pris normalement. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? On peut... Oh putain l'enculé, il m'a foutu dans la gueule. Est-ce qu'on... J'ai oublié quoi là? Ah oui, c'est ça. Oh mais ça, je peux rien faire pour l'instant. Là, il n'y a rien à prendre. Je trouve ça con par contre quand même que ça c'est mal fait par contre. Comme on passe la zone, genre dès qu'on passe la porte, il nous oublie direct, il nous suit même pas donc. Là il vient. Ah quoique. Ouais non, il y a un mur invisible, ok. Donc du coup on aura quoi à faire la prochaine fois? Ah ouais mais on a trop de trucs à faire là. Parce que du coup faudra retourner là-bas vite fait. Là c'est quoi? C'est quoi ici? Ah oui, c'est le bureau de tout à l'heure. Ah bah oui, c'est un raccourci du coup. Est-ce qu'il va me suivre si je vais... Bon, ça, je vais le prendre plus tard. On va y aller vite fait. Le gros, je l'avais niqué, ok. On va aller là. Il est toujours mort lui ou... Donc là je peux mettre la touche. Ah ouais ok. On va pas la mettre n'importe où. Le couteau on s'en fout. La sacoche on peut la prendre directement. 203. 203. Ah ouais d'accord, on a ni le 2 ni le 3. Putain c'est fait exprès. On va le mettre la touche 2. .208, c'est les munitions pour le pompe. Le couteau, on s'en fout un peu. Et ça, c'est quoi? C'est 102. On va le prendre maintenant. Hop. Comme ça, on combine. J'ai quand même 40 munitions de flingue. Je sais pas si c'est normal. Et on vient d'où? On vient de là. Il est où lui? Oh putain, il m'a fait peur! Oh l'enculé! Mais meurs, putain, mais c'est quoi ça? On se casse. Il était bizarre celui-là. Ah, mais il y avait un spray là? Ok, on peut pas les fusionner. Non, je sais pas. Bref. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire et après la vidéo va durer 3 heures. Et déjà que l'upload est assez long comme ça, donc bon.
On va s'arrêter là. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve pour le prochain épisode.